C'est la possibilité de toucher, de ressentir ce que l'arbre a envie de vous transmettre. Le pouvoir de communication des arbres, c'est tout de suite. L'idée là, c'est d'aller en montagne. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un milieu préservé, parce que les arbres sont là depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Donc c'est une balade autour de la sylvothérapie qui a pour but de mettre en éveil les sens. À travers une reconnexion à la nature et notamment une reconnexion avec les arbres. Voilà, donc ici on arrive dans une forêt de hêtres. Donc je vais vous proposer d'essayer de se connecter avec les arbres ici à cet endroit. Ça va être bien d'être pieds nus parce que comme ça on va pouvoir vraiment se reconnecter avec les arbres. Donc ici, je vous propose d'aller choisir le hêtre qui vous fait plaisir. Donc vous vérifiez bien que ce n'est pas un arbre qui soit mort. Hein. Et puis celui qui vous plaît en fonction de son aspect, vous pouvez toucher aussi. Regardez un petit peu la manière dont ses branches sont dispersées pour voir si ça vous convient. Voilà. Là, vous essayez de ressentir le sol à travers vos pieds, de rentrer en contact avec les racines de l'arbre. Et vous vous concentrez sur l'arbre pour rentrer en connexion avec lui. Cette méthode en fait est utilisée depuis 1982 au Japon, où ils emmenaient les malades dans les forêts pour les soigner. Il a été prouvé scientifiquement, donc c'est concret, que amener les personnes en forêt et le fait d'avoir déjà visuellement des arbres et une forêt face à soi permet de se relaxer et de diminuer le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress fabriquée par le corps. On sent déjà tout ce qui est olfactif. Ensuite, tout ce qui est au toucher, donc la rugueur de l'écorce, le lichen, les mousses. Et ensuite, on a ce moment où on est apaisé par... je pense qu'il y a quand même des énergies qui doivent se transmettre entre le végétal et l'animal, pour nous, quoi. Le calme des forêts et le côté statique des arbres cachent pourtant un monde insoupçonné, un monde capable d'interaction. Car les arbres communiquent, échangent des substances, sont liés en réseau et vivent en famille. Quand un arbre est infesté par des insectes, il met en garde les autres arbres afin qu'ils puissent s'y préparer. Les arbres se préviennent de façon électrique et chimique, par les racines. Mais comme les racines ne passent pas partout, ils utilisent également ce que l'on appelle le Wood Wide Web. Ce sont des réseaux de champignons, les petits fils blancs que l'on voit qui parcourent tout le sol et transmettent les messages jusqu'au prochain arbre, et en contrepartie, les champignons reçoivent du sucre. La forêt forme un écosystème tout à fait unique. Serait-il concevable de penser que les arbres peuvent communiquer avec d'autres êtres vivants ? Vous pouvez sentir la communication des arbres, particulièrement des conifères et des épicéas. En fait, vous pouvez les sentir quand ils sont stressés. Ils dégagent ce fameux parfum que nous trouvons tous très agréable. Et en fonction de l'intensité de ce parfum et du temps que vous passez en forêt, cela va produire un effet sur votre tension artérielle sans que vous ne vous en rendiez compte. Et c'est pour cette raison que vous allez vous sentir détendu. C'est un phénomène inconscient que seul notre corps peut ressentir. Donc là, pareil, on va poser les mains sur l'arbre. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est un arbre qui est très fort en énergie parce qu'il y a une source qui coule juste en dessous. Donc on va pouvoir capter énormément d'ions négatifs aussi, hein, qui sont très énergisants. Il y a tous ces aspects, notamment scientifiques, qui sont expliqués. Je veux dire, les ions négatifs dans la forêt et lorsqu'on est à proximité de la mer ou près d'une source sont plus importants. Et permettent justement de se ressourcer. Contrairement aux ions positifs qui sont, par exemple, juste avant un orage ou ce genre d'événement climatique, va plutôt énerver et stresser. Et ça, les animaux le ressentent, et nous aussi, les humains,
on le ressent. Vous allez essayer de vous concentrer sur l'arbre pour capter son énergie. La sylvothérapie est une thérapie douce hein, qui est accessible à tout le monde. Hein. Tout le monde peut aller en forêt pour faire cet exercice-là. Je ne pense pas encore qu'on en soit à l'étape que ce soit reconnu, on va dire, par la médecine. Voilà, c'est une thérapie douce alternative, mais pourquoi pas éventuellement un jour que ce soit remboursé par la Sécurité sociale, un petit peu comme la naturopathie est remboursée actuellement en Allemagne par la Sécurité sociale.